Allez, boss. Enda. Allez, vous allez. Aspirine, on est où là? Non, nous rendons à Calais pour assister nos compatriotes. C'est là qu'il y a des victimes du Calais. Mais maintenant, nous sommes dans les eaux de Yakiru. Nous allons faire deux escalades. Nous allons d'abord escalader à Idju et puis nous allons prendre une pirogue motorisée pour nous amener encore à Calais. C'est que voilà, nous allons braver cette terre. De passer dans les grands lacs sous une pirogue motorisée. Mais quand même, bon, c'est ça le plus grand sacrifice. Mais là, on est là-haut concrètement pour le moment. Non, pour le moment, nous sommes dans les grands lacs et nous allons du côté Didji. C'est que nous allons accoster du côté Bougaroula et puis c'est du côté Bougaroula que nous allons prendre une pirogue motorisée qui va nous amener encore à Calais. C'est Calais, c'est de l'autre côté là que vous voyez, là où il y a des collines. Et puis nous allons passer derrière ces collines-là. Et c'est là qu'on va atteindre Calais. Nous partons d'abord ici. Et à Bougaroula, on va prendre aussi maintenant une pirogue motorisée. Pas facile pour ce voyage. Non, c'est pas facile. Mais il faut rappeler qu'il y a eu les gens qui se sont par rapport à la mobilisation. Hein. Oui, c'est pourquoi nous remercions quand même tous ceux-là qui se sont mobilisés. Tous ceux-là qui nous ont facilité pour que nous puissions arriver ici. Nous sommes ici avec les vivres et les non-vivres que nous allons amener à nos compatriotes à Calais. Nous vous félicitons, vous qui vous êtes mobilisés, pour nous aider, pour nous appuyer, afin que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes. Voilà, regardez, nous voyageons dans quelles conditions, mais quand même on le fait, puisque il faut se sacrifier pour les autres. Et on est content de tout ce que nous faisons pour que nos compatriotes quand même puissent revivre un peu, et que nos compatriotes puissent revivre un peu encore. Cet amour que vous leur avez prouvé, que vous leur avez montré. Et que Dieu vous bénisse quand même. Ça va? Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à tous nos compatriotes, bonjour à notre communauté internationale. Comment vous allez? Non, ça va déjà, nous tenons les coups, on ne baisse pas les gardes. Alors dites-nous, on est où? Explique-nous si on est où précisément, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous sommes sur le lac Kivu, du côté Idju. Comme vous les voyez très bien, nous sommes sur les eaux douces du lac Kivu.
et nous nous rendons à Calais pour amener les vivres et les non-vivres dont nos compatriotes nous ont aidés pour que nous puissions acheter, afin de redonner sourire à nos compatriotes de Calais, celles-là qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle causée par une pluie diluvienne qui s'était débattue sur Calais. Ouais, en fait, nous avions fait l'escalade à Idui, c'était à Idui, à côté Bougarou, là, voilà, je ne sais pas si c'est Idui Nord ou Idui Sud. Idui Nord. Comme nous avions pris les bateaux à Goma, et que, comme nous l'avions toujours dit à nos compatriotes, c'est trop, trop difficile d'arriver à Calais à cause de cette pluie diluvienne, c'était de bâtir sur Calais, qui avait détruit même les routes, autre chose. Et maintenant, nous avions bien jugé de prendre les bateaux de Goma, et on nous a déposé à Idui avec tous les vivres que nous avions achetés. Et maintenant, nous avions pris, nous avions affrété cette pirogue motorisée pour nous amener à Calais. Que nous avions pris à location. C'est pourquoi on le disait toujours, c'est très très difficile, c'est pas moindre, mais quand même, nous félicitons nos compatriotes, tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui ont contribué pour que nous puissions acheter tout ce que nous avions acheté. Nous montre-nous qu'est-ce qu'il y a. Alors, ici, il y a des gobelets et d'autres assiettes que nous avions acheté. Ici il y a des gobelets et d'autres, regardez, ce sont des gobelets que nous avions achetés. Comme vous savez, nos compatriotes avaient perdu tout ce qu'il fallait. Ici il y a du sel, regardez, c'est quelques boxes qu'on a achetées. Et il y a aussi l'OMO. Il y a l'OMO, si vous voulez. Ça c'est l'échantillon. Ouais, il y a tout un stock ici. Et si on peut partir même ici, il y a du riz de l'autre côté, ici, comme vous savez, c'est ça. Il y a du riz, comme vous savez, nos compatriotes n'ont plus à manger, ils ont tout perdu, nous nous sommes dit ventre crêne à point d'oreille. Ça, c'est l'échantillon. Exactement, c'est parmi les échantillons. Il y a aussi l'huile végétale qu'on a achetée, c'est ça. Il y a aussi l'huile végétale qu'on a achetée. Ouais, c'est Rocky, je crois. Ricky, voilà. C'est parmi les échantillons. Il y a aussi quelques pagnes qu'on a achetées à nos mamans. Pour faire soulever un peu. C'est ça, on peut. C'est 10 pagnes qu'on a achetées à nos mamans, c'est ça. Comme vous savez, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient comme habits à porter, ils avaient tout perdu. Nous nous sommes dit quand même, avec les peu que nos compatriotes ont fait, on doit faire quand même quelque chose. Et comme vous écoutez, il y a maintenant notre... Il y a le capitaine qui est là. On a pris aussi à nos mamans. Voilà. Et à part ça, à part les pagnes qu'on a achetées à nos mamans, il y a aussi quelques ballots de friperie qu'on a achetés. Friperie, oui, c'est ça. Ça passe, bon, faut pas faire tomber sur les eaux. Hein. Il y a quand même, ça c'est pour aussi les petits frères. Voilà, c'est un peu ça, voilà tout ce qu'on a acheté avec les contributions que vous aviez faites. Et nous sommes très très contents quand même avec nos compatriotes. Voilà les gestes. On essaie un peu de montrer parce que les bottes, on a pris à l'occasion parce qu'il y avait pas assez de gens. Ouais. Il y a donné sur les eaux du lac. Ouais. On va arriver de 10 juillet, là on a pris combien d'heures? 10 juillet à Calais, là où nous allons, c'est que de Bougarou là à Nyamukubi, de Goma à Idui, ça a pris 5 heures de temps. 5 heures de temps. Et de Nyamukubi, de Bougarou là, Idui Nord, à Nyamukubi, c'est encore 2 heures de temps. Là on va, c'est que nous allons encore faire encore 45 minutes, puisque nous avions déjà fait 1h42, c'est que on va aller dans les 2 heures et quelques minutes. C'est que ça n'a pas été facile, et c'est pas facile puisque nous sommes encore sur les eaux du lac Kivu. Voilà, nous nous sommes décidés quand même, on a affrété une pirogue motorisée pour que nous puissions arriver quand même. D'accord. Là-haut. Merci. Je vais essayer un peu d'aller poser une question au capitaine. Ouais. Il y a son assistant qui est en train de conduire et on va juste se poser quelques questions par rapport aux conditions dans lesquels ils traversent sur les lacs Kivu. Ndugu, habari? Mzuri, mzuri. Tunawaona hapa munaikala, habari yenu? Mzuri, mzuri. Unaitwa nani? Chwambi, unaitwa nani? Naona hapa sio.
Jean Baloumé. Baloumé. C'est ça, tuambie tueleze kwa machache wewe unatumika ndani ya Ziwa Kivu. Kitu gani mtatizo gani ambao mnakutana nazo? Tatizo ambazo tunakutana nazo ya kwanza hatuna vifaa ya kutosha kusudi tusifire watu kuenda kama ni ngambo fulani. Nakutana matatizo kosewa na pesa kusudi tujenge mamitumbu yenye inaweza kuwa ya kabambi kabambi. Na sasa tunaona humo acha kama tumechukua hiyo boat me hakuna hiyo vitu wanaita mabue majile ya masovetage. Kwa nini tulizia tuna sasa kwa nini tulizia umesahau? Ah mzee tuambie naona itwa nani? Bati. Bwana Bati, tueleze hapa tuko wapi? Tunaona mbele yetu kuna sijui wanaita ni visanga kama nini. Tueleze hapa ni wapi na tunaelekea wapi? Hapa iko visanga tena. Nafika mu territoire ya Kalehe. Hapa deja tumewasili Kalehe. Hapa banaita Nyachibingu. Natamuka Mushenye. Tunaelekea sasa Nyamkubi. Huko kwa watu walifariki. Vitu huko tunaenda huko. Sasa hali ni vipi hapa kwenye Ziwa Kivu? Hapa kwenye Ziwa Kivu. Hapa tunakosa ya mingi sana. Juu tunapenda tuwee hapa na shiba tuwee kusema tupate kisi ya kuvuka akura kisi. Kama uko kisi ya kutusaidia mamotere, unaweza tutubia ta motere ya vile purke tukuna tembeleana. Sasa watu ambao wanaishi hapa ni wakongomani? Wakongomani. Wakongomani hapa. Tumesikia hizo ambao tunatoka hata huko tuko tunaenda kuyawahi kuwa vita. Hakuna insecurity. Hauwe watu kule hakuna vita. Hakuna vita. Huko kwa hakuna vita. Hakuna kabisa. Masasi ya msikia wanapiga. Hakuna. Naishi bie sana kabisa na wasoda wetu wanachunga pia kuna shida. Wasoda wa jeshi. Hako wa polisi biko hakuna hata problem hata. Unaona jina wa rais wa Kongo? Ndiyo. Ah yeye baba, unaona jina rais? Président wetu wa Congo. Unaoya jina yake? Jina yake nani? Félix Tshisekedi. Sasa unaweza mwambia kitu gani? Unampenda au nini? Mimi nampenda sana. Rais Tshisekedi. Tena sana. Kwa nini unampenda? Anafanya vitu vya mzuri sana. Vitu gani kama amefanya? Benye bali mtumeka atumike Congo. Ndio benye bali. Sikia watoto hawalipe tena shule, amewalipia wote. Bie kabisa. Unampenda Tshisekedi? Ndio. Kwa nini mtamchagua tena? Ndio. Bwana hata naona penda rais sana 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 sana. Kwa nini unampenda? Mimi nampenda kwa sababu baka leo niko na watoto munane ku primaire. Mimi najua kama mwa ile miaka 5 Kisegeti anatumika ananisaidia sana na pale mimi naweza sema Mungu ambariki na endelee tutamchagula kabisa. Aishi sala. Aishi. Unamfurahia sana. Sana. Aishi sana. Wanamuita Fachi Beto. Kwa anatumika kazi vizuri. Ndiyo. Wasoda, wajeshi, wanawachunga, hawanyanyase. Hakuna hata shida kwetu. Mtamchagua. Ndiyo, ndiyo. Sasa kuhusu yeye na mwingine mwalitoka kwa hiyo kabila, mnaweza ona mnafurahia tena nani? Oh, usituambie tena ule. Omwe Kisegeti ndio tunayua siye. Anafanya kazi vizuri. Tosha kabisa mtabu, tabu ya kababu ya masomo. Ya masomo sana. Ndiyo. Na kimutu anabebaka yake hakuna wa kumuderanje. Asante. Alors Aspirine, Monsieur Espoir, vous allez nous interpréter un peu. Vous allez interpréter les amis tout ce qu'il disait à propos de. En fait, j'ai posé une question à propos du président. Du président Tshisekedi. Dites-nous, il disait quoi? En fait, nos compatriotes ici, le capitaine et son assistant, ils nous parlent qu'ils aiment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et ils ont dit qu'ils vont les voter encore une fois, et c'est leur parole. Et ils venaient de dire qu'il y a la différence entre Tshisekedi et Kabila. Et ils venaient de dire que Félix leur a sauvé puisqu'il ne paie plus les études, ne paie plus les frais de scolarité pour leurs enfants. C'est ce qu'ils disaient. Et c'est pourquoi ils ont dit aussi un message
qu'ils ont un sérieux problème et qu'ils viennent de soumettre au chef de l'État. Puisqu'ils n'ont pas de moyens pour déplacer ceux-là qui sont ici et ceux-là qui sont ici. Reliés, Idi et Kalehe. Parce qu'ils peuvent les voir ici, voilà. Exactement. Il y a que des bottes ici. Voilà, il n'y a que des bottes. Ce sont des risques aussi qu'on a pris. Hein. Voilà, ce sont des risques. C'est que d'après eux, ils viennent de lancer leurs demandes au chef de l'État et d'autres autorités qu'ils puissent encore bien voir. Mais les entendre dire, ils sont très très contents et ils soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Fatshi Béton, comme eux-mêmes l'ont dit. Il est tellement apprécié ici. Oui, si vous regardez très bien, oui, nous sommes venus dans le cadre de notre. Ils ont parlé également sur les places sécuritaires. Exactement. Que tout ça se passe bien, nous sommes venus. Sont bien protégés par les militaires. Il n'y a pas la guerre comme nous sommes venus dans notre cadre d'assister nos compatriotes de Niamoukoubi. Oui. Mais quand on s'est rencontré avec nos compatriotes ici, puisque nous avions échangé, ce n'est pas SL, même quand nous sommes arrivés à Bougarou, on a essayé d'échanger. Ils viennent de dire que chez eux, ils n'ont jamais entendu les coups de balle. Ils sont là avec les militaires. Les militaires, ils sont là avec eux. Depuis que Félix est venu, personne ne les a un jour intimidés. Ils passent avec leur bien, personne ne les dérange. Et ils félicitent aussi le chef de l'État à cause de ça. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Espoir. Il faut expliquer parce que nous voyons déjà Bouchouchou Niamoukoubi. Voilà. On va bientôt arriver. Ouais. C'est que c'est là que vous voyez, chers compatriotes, chers téléspectateurs. C'est là où nous allons, c'est là où la pluie de Livienne s'était débattue. Et c'est là où nous amenons les vivres, c'est là qui avait contribué, c'est là qui nous avait soutenus, c'est là qui nous ont toujours conseillé. Voilà ce que vous nous avez donné là où nous les amenons. Ce n'est pas facile. Nous vous remercions, nous vous encourageons, ayez toujours ce grand cœur, ayez toujours cet amour de vouloir assister vos compatriotes. C'est ça aussi l'amour, quand nous disons que nous aimons les Congos, nous devons aimer les Congolais. Puisque le Congo est composé par les sols et les habitants du sol. Et ces habitants qui s'appellent les Congolais, nous allons les assister. N'est-ce pas ici, c'est comme un paradis ici, on va. Non, le Congo est grand. À part l'agression rwandaise, la RDC, c'est un paradis terrestre, si on peut dire même ainsi. Si les Rwandais ne nous agressaient pas, je vous jure qu'aucun Congolais pouvait pleurnicher et manquer à manger. Vous voyez, il y a des collines, mais sur les collines, il y a même des maniocs qui y poussent. Sur les collines, il y a même haricots, il y a même des bananes plantées. Regardez de l'autre côté. C'est que nous avons tout au Congo. Mais le sérieux problème, c'est cette insécurité instaurée par nos voisins agresseurs. Mais nous croyons, nous avons confiance que l'allure où vont les choses, la détermination que nous voyons les Congolais posséder, les choses vont changer. Advienne que pourra, c'est le Congo ou rien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous nous suivez sur Congo Live Télévision. C'est grâce à vous que nous sommes là. Vous savez, il y a quelques jours, on a lancé une mobilisation pour venir en appui, pour venir assister nos compatriotes de Calais. Merci. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous sommes le 17 juin, mesdames et messieurs, 17 juin 2023, avec Espoir Mouyinou, quand vous l'avez suivi depuis longtemps, en train de mobiliser. Et nous voici aujourd'hui, nous allons bientôt accoster. Voilà, mesdames et messieurs, merci en tout cas. D'ici 30 minutes, on va accoster. Ouais. Merci, on va vous revenir tout de suite là, parce que vous devez suivre les images. Vous allez également voir comment toutes vos contributions que vous aviez faites ont été utilisées. Et les gens aussi, on doit leur donner la parole pour qu'ils vous présentent leurs remerciements. Merci et à très bientôt. Journée où explique-nous, on va déjà. Voilà, nous allons accoster à Niamoukoubi dans quelques secondes. Voilà même les cas de nos compatriotes sinistrés. Il y a à gauche et à droite, il y a des camps. On va essayer de dézoomer. Ouais, voilà. Vous regardez des petites maisonnettes là en bâche. Des abris de fortune. Des abris de fortune. Oui. En bâche là-bas, il y a même d'autres qui ont pris même des pailles. Qu'ils ont mis ici leurs petites maisonnettes. C'est de l'autre côté où je crois que le gouvernement avait assisté. Mais quand même, nous sommes là, nous allons arriver dans peu de temps, dans quelques minutes, nous allons accoster. Nous remercions encore nos compatriotes. Les tentes qui sont là, voilà, si vous voyez des tentes de l'autre côté, un peu avec la couleur blanche, ce sont les maisons, les abris qu'on a préparés d'une manière provisoire pour nos compatriotes victimes des catastrophes naturelles causées par une pluie d'éluvienne qui s'était abattue sur Kalehe. Voilà, nous sommes à Niamoukoubi et dans peu de temps, nous allons accoster pour distribuer
les vivres et les non-vivres que vous nous avez. De l'autre côté, il faut montrer que c'est là où il y a des dégâts. Voilà, vous voyez de l'autre côté où il y a des pierres blanches à côté de quelques arbres un peu calpitous là-bas. C'était, je crois, c'était leur marché et c'est là où il y avait les grands dégâts. C'est là où la boue, l'eau avait rencontré nos compatriotes. Voilà. Voilà, il faut préciser qu'il est 14h passé de 10 minutes. Exactement. Nous sommes sortis à Goma à 7h. Ouais. Nous voici ici après le voyage. Voilà. On est là. Paul est encore à nos compatriotes de Kalehe. C'est vraiment triste. Quand c'est on triste. Voit les maisons, les abris dans lesquels nos compatriotes. Ça fait mal, c'est avec des larmes aux yeux. C'est vraiment triste en fait. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour la suite. Eswar Mouinouka, vous revenez de Kalehe, où vous étiez, bien sûr, pour distribuer les vivres et non-vivres aux sinistrés de la récente catastrophe qui a coûté la vie à plus de 500 personnes et faisant aussi plusieurs disparus. Alors dites-nous, ça a été? Oui, nous avions fait la tâche que nos compatriotes nous avaient confiée. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile puisque les biens qu'on a amenés étaient moins nombreux qu'aux personnes. Et ce qui est sûr, on ne devrait pas assister toute une population, tout un territoire. Mm-hmm. C'est très, très difficile. Mais quand même, on a distribué le peu qu'on a si mobilisé. Mm-hmm. Et les gens étaient contents et heureux de ce qu'on a, on a amené. Vraiment, nous remercions nos compatriotes, nos téléspectateurs, surtout notre diaspora, celle qui avait contribué massivement. Et on remercie aussi la population, celle de la ville de Goma, et celle aussi de la RDC en général, puisque rappelons qu'il y a nos compatriotes de Lubumbashi qui avaient contribué, de Kinshasa qui avaient contribué, il y a une personne en ville de Goma qui avait contribué. Nous les remercions tous. C'est à cause d'eux que nous sommes partis à Calais. Vraiment, c'est pas facile ce qui est sûr, il faut préciser. C'est le pas facile. Le voyage était long, hein? Était long, puisque nous avions pris les bateaux de Goma à Idjui. C'est à Idjui qu'on va affréter une pirogue motorisée qui va nous amener à Calais. Quand nous sommes arrivés à Calais, on a procédé à la distribution. Je crois que les compatriotes vont voir ça en image. On a procédé à la distribution. Et puis nous avions pris encore une moto. Des motos. De ce que c'est de Calais d'abord. Mm-hmm. On a fait 4 escales en route. De Calais à Bususu, ce qui est de Nyamukubi à Bususu, de Bususu à Ihusi, de Ihusi à Kavumo, à Katana, de Katana à Kavumo, de Kavumo à Bukavu. C'est là où on a passé nuit. C'est que c'est très fatigant. Et puis de Bukavu à Goma, vous avez pris encore les bateaux. Et de Bukavu à Goma, on a pris encore les bateaux pour venir ici. C'est que ça peut être facile, c'est fatigant, mais moi je ne peux pas dire que c'est fatigant puisque on a fait l'apostolat. C'est une tâche divine que nous venons de réaliser. Et on encourage aussi d'autres personnes de le faire puisque nos compatriotes souffrent. Nous n'avions pas pu visiter là où sont logés les enfants puisqu'il y avait beaucoup de normes qu'ils ont imposées pour visiter là où sont logés les enfants. Mais c'est là, les ballots des habits là qu'on avait amenés, on avait distribué ça dans des camps de. Dans des cas de déplacés. Mais là où réellement, là où logent les enfants, il y a eu beaucoup de mesures qu'ils ont mises. Vous avez aujourd'hui, avec le trafic d'enfants qui existe, le gouvernement a pris beaucoup, beaucoup de mesures. Mais je crois que nous allons, si Dieu le veut, nous y reviendrons toujours pour assister toujours nos compatriotes. C'est que ce n'est pas fini, puisqu'ils souffrent en tout énormément. Cas, pour finir, à toutes ces personnes-là qui ont contribué, qui ont apporté leur soutien, il faut leur dire merci beaucoup. Nous avions en tout cas arrivé à la fin de la mobilisation. C'est exact. Ceux qui vont suivre l'émission ou bien les émissions, parce qu'on a réalisé plusieurs émissions, juste pour cette mobilisation. Il y a peut-être ceux qui vont suivre après, mais ils peuvent toujours comprendre que l'action a été déjà posée. Mais ils doivent retenir que le Nord-Kivu, c'est toujours une province sinistrée, ça il faut l'avouer. Peut-être la prochaine fois ou occasion, donc que les gens n'hésitent pas toujours à contribuer. Donc voilà. En fait, nous remercions quand même nos compatriotes, ceux-là qui ont fait quelque chose.
C'est à cause de vous que nous sommes arrivés à réaliser cette mission que vous nous avez confiée. Et nous vous remercions, nous sommes très très contents, soyez bénis, puisque vous vous avez privé. Il y a ceux-là qui devraient prendre une bouteille de champagne de 1000 dollars par exemple, mais ils ont préféré donner ça. Il y a ceux-là qui devraient prendre leur bouteille de 100 dollars, 150, 200, 300, mais eux, ils ont préféré contribuer ça. Nous sommes très contents. Et c'est ça aussi l'unité nationale. Merci, merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. On se retrouve à la prochaine fois. Merci et merci beaucoup à Congo Live. Foi et moi pour ouais, merci Live aussi, merci aussi à Congo Live qui nous a offert l'espace pour mobiliser nos compatriotes. Et merci vraiment au chef de Congo Live. Puisque, n'oublie pas qu'on a rencontré s'il est là qui vous a déjà qui ont soutenu les actions du chef. Exactement, nous avions vu même, bon, quoi que moi soit politique, mais quand, je crois que vous allez voir ça en image, quand nous étions les capitaines qui nous amenaient avec sa pirogue motorisée à Calais, ils ont soutenu les actions du chef de l'État, ils ont dit que chez eux ne payent plus, ils ont salué, qu'eux ne payent plus les frais scolaires pour leurs enfants. Beaucoup, ils ont montré leur soutien à Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi il y a un devoir pour les proches du chef de l'État qui doivent intensifier la communication et qui doivent faire participer la population dans la gouvernance. Le chef de l'État n'est pas Dieu, il n'est pas être au four et au moulin à la même heure. En plus, je vis, se concentre surtout pour lutter contre l'agression rwandaise. Ce n'est pas facile. Les proches du chef doivent aussi améliorer leur manière merci de faire les choses. Merci beaucoup. Bye bye.